compétente en design UX, expérience utilisateur. Je suis Justine Fourneret, je suis designer d'expérience utilisateur à l'agence InSign. Je m'appelle Ludmila Maury et je suis directrice artistique à l'agence Extra. Pierre-Marie Paco, je suis directeur associé de l'agence Okedito. On est une agence spécialisée en content marketing et inbound marketing. Dans des projets d'école, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas de contraintes. Et donc souvent, la créativité, elle est d'autant plus débridée. Et c'est assez inspirant aussi pour nous. C'est intéressant d'avoir la vision plus fraîche, on va dire, des étudiants. Et ça nous aussi remet en question. C'est une belle source d'inspiration. Je prends beaucoup de plaisir à mener cette expérience auprès des étudiants de Bellecour École. Pour moi, c'est un moyen de prendre un peu de recul sur mon métier et de donner un peu de sens à mon parcours et de faire profiter mon expertise à de plus jeunes étudiants. Faire partie du jury, c'est passionnant déjà de pouvoir transmettre, c'est-à-dire de voir ce qui se fait aujourd'hui, de voir comment les élèves l'approchent. Ils ont une maturité qui leur permet d'aborder les sujets de manière complètement surprenante. J'ai vu 5 projets différents, que ce soit dans la façon de voir les choses, des outils utilisés, d'aborder la problématique, quel va être finalement le meilleur support adapté à la problématique mise en place par les étudiants. C'était très intéressant, et puis aussi de voir graphiquement parlant comment ils adaptaient un peu le sujet au thème, est-ce que tout était concordant, très réfléchi. Et j'avoue que chaque année je suis assez bluffé par le niveau de maturité et de travail qui est produit par les élèves, avec vraiment des projets engageants, très bien menés. Et si j'étais business angel, il y a beaucoup de sujets que j'aurais pu acheter. Souvent, la théorie et la pratique, on sent qu'ils ont du mal à passer à l'acte. On voit que c'est quelque chose que les étudiants négligent souvent. Là, en fait, ça m'a rassurée parce qu'ils ont bien compris ça quand même, ils l'ont intégré. Et on voit très bien qu'en fait, cette phase-là, elle est clé pour les faire aller plus loin. Enfin, on voit que c'est là qu'ils ont progressé, que leur projet a pris plus d'épaisseur. J'ai été vraiment très, très satisfaite et étonnée de la qualité des solutions proposées. Moi, j'ai été super contente quand on m'a proposé d'être jury et je l'ai pris comme une super expérience parce que j'ai l'impression aussi de me rendre utile, de les aider en leur posant des questions et en leur faisant prendre conscience de leurs forces et de leurs faiblesses à chacun. Donc c'est une belle expérience humaine avant tout et une belle expérience professionnelle. Ça nous aussi remet en question parce que finalement on se dit oui mais leur vision peut quand même être adaptée à notre travail. Peut-être qu'on se prend trop dans ces contraintes face aux clients. C'est beau de voir l'évolution, c'est beau de voir que mon métier est enseigné correctement. Et émotionnellement c'est vraiment assez intéressant. C'est aussi s'ancrer dans la ville de Lyon, montrer que nous aussi on sait faire les choses, on sait les enseigner, on sait accompagner les gens. Donc très satisfaisant. Je ne m'attendais pas à ce niveau-là, en tout cas de recherche. Donc assez bluffé par la qualité de ce qui est ressorti. Donc bravo à tous les étudiants.